daté du IVe siècle, une abside d'une enceinte religieuse que les historiens datent du IVe siècle. Donc ce lieu servira aujourd'hui de... on commence par une conférence de presse, mais servira pour les réunions de parents, servira pour les rencontres, et est aussi ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire, on ouvrira aussi ce lieu pour des entreprises. Je sais que la ville de Strasbourg a déjà manifesté, puisque j'ai eu le chef du protocole la semaine dernière, son intérêt pour l'usage du lieu. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire du lieu, pour le changement. Et ce lieu sera également, alors c'est là que c'est pas tout à fait terminé, un musée, puisque Saint-Étienne, chargé d'histoire, et on va parler des 1300 ans, a dans son sein un grand nombre d'œuvres, souvent cachées, dans la sacristie, dans des salles, etc. Et j'ai souhaité qu'on les mette en valeur. Et c'est sur les parties latérales, de part et d'autre, que viendront les différentes œuvres de Saint-Étienne, d'autres œuvres qui viendront de l'extérieur, puisque le musée historique de Strasbourg nous en met à disposition, puisque c'est le musée historique qui a récupéré un certain nombre des œuvres, enfin de ce qui a été trouvé lors des fouilles des années 50. Donc on va retrouver ces œuvres-là. On va aussi avoir des témoignages d'anciens élèves, dont le maire de Strasbourg, M. le chanoine Geisler, qui seront présents ici, puisqu'on a voulu associer donc l'histoire très ancienne, mais aussi l'histoire plus récente du site scolaire. Donc on vous a distribué un petit dossier de presse qui reprend un petit peu ce que je vais évoquer. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, nous fêtons donc les 1300 ans de la fondation de la première abbaye par Attal, nièce de Saint-Audit. Donc à l'époque de la fondation, le fait de construire une abbaye, qui était donc sous la direction d'Odile, donc du Mont Saint-Odile, était aussi le fait de marquer un lieu de pouvoir. C'est un lieu de pouvoir que d'installer une abbaye dans un centre, dans une ville, même si ce n'était pas la ville qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, Attal, qui est la nièce de Saint-Odile, a eu en charge d'être la première abbesse, mère abbesse, de cette première abbaye créée en 718. Alors, sans refaire toute l'histoire, il est quand même important d'en rappeler quelques éléments, puisque Attal, de son vivant, en tout cas, c'est ce que l'histoire nous en retient, a été une personne remarquable. À la fois remarquable par son don aux autres, par son service aux autres, et très vénéré par les Strasbourgeois de l'époque. Or, Attal n'a que très peu de traces dans l'histoire de Strasbourg. On parlera du quai Saint-Attal, j'en ai parlé un peu ce matin. On s'en souvient très peu en dehors de Saint-Étienne. C'est-à-dire, qui connaît Attal en dehors de personnes qui ont de près ou de loin fréquenté Saint-Étienne? Donc, Attal, on souhaitait aussi que cette première femme illustre de Strasbourg, c'est la première femme connue dans l'histoire de Strasbourg, soit mise en valeur. Donc 1300 ans, Attal, lors de son décès, est exposé dans la chapelle qui est donc juste au-dessus de nous pendant plusieurs semaines, trois semaines, dit-on, et le Mont Saint-Odile, sans nommer, vous verrez dans l'histoire, donc a souhaité récupérer une relique, puisqu'à l'époque, les reliques étaient monnaie courante. On voulait garder une trace de la personne vénérée. Et donc, un messager est venu pour récupérer une relique. Donc, c'est la main de Saint Attal, qui a donc été sectionnée lors de son exposition. Alors, on est en 741. Et cette main, avec un petit aléa, puisque la personne qui a subtilisé cette main s'est trompée de cheminement pour remonter au Mont Saint-Odile, et après une nuit d'errance, croyant être au Mont Saint-Odile, s'est retrouvé ici et a remis cette main, en fait, à l'abbesse ou à la personne, à la religieuse présente. Et c'est là qu'on a remarqué. Et donc cette main a été enterrée ici et retrouvée. Le
pas faire toute l'histoire parce que sinon on en a vaut tout le matin, a été retrouvée un petit peu plus tard au Moyen-Âge. Et cette main est donc exposée dans un reliquaire au-dessus de nous, dans le cœur de la chapelle. L'histoire ensuite a évidemment été mouvementée, avec des aléas, des usages nombreux, divers du site. Ça a été un cirque, ça a été une manufacture de tabac, je mélange tout hein, dans l'histoire. Ça a eu donc différents... un grenier aussi, je crois, à un moment. Donc différents usages du site pour arriver, il y a un petit peu plus de 150 ans, à devenir une école, petit séminaire, et dont nous avons donc aujourd'hui le reste, de, entre guillemets, la suite, puisqu'aujourd'hui Saint-Étienne a dans son sein près de 2000 élèves. Voilà. Alors, on a voulu célébrer ces 1300 ans de fondation du site par une année marquée de nombreux événements, une année festive. J'ai quand même oublié de dire, je n'ai pas fait le lien tout à fait, j'ai dit que vous en reparlerai. Le mur qui est à l'arrière, donc daté du IVe siècle, n'est pas sans incidence sans doute sur le choix du site fait en 718. Il est vraisemblable que si on a choisi ce site pour mettre un abbaye, c'est qu'au préalable, il y avait sans doute une enceinte chrétienne, une première enceinte chrétienne de Strasbourg, paléo-chrétienne, je ne sais pas si on peut dire ça, et dont le vestige est donc à l'arrière. Donc c'est sans doute pour ça que ce site a été choisi. Donc notre histoire est de 1300 ans par rapport à la fondation de l'abbaye, mais bien plus ancienne, puisqu'on a un mur daté du IVe siècle. Donc, des événements. Laurent, je ne sais pas si vous pouvez mettre. Donc, un certain nombre d'événements qui jalonnent cette année, et c'est là qu'on compte sur vous pour en faire le relais. Alors, il y a des événements... ils ne sont pas tous, mais disons que ce sont les événements qui sont les plus marquants, sachant qu'on aura d'autres initiatives internes pour des élèves ou par des enseignants. Donc, là, actuellement, on est dans la phase de promotion, en tout cas de l'événement. Il y a quelques émissions radiophoniques, il y aura des articles dans les journaux. Et le vrai démarrage se fera, grâce à M. le chef d'anniversaire, par le concert inaugural de Voix Erotromane, qui aura lieu donc vendredi, avec un concert remarquable que je vous invite à venir le voir. Voix Erotromane est un festival très très connu hein, au niveau européen, peut-être même au-delà. Et donc c'est un plaisir pour moi que de l'accueillir le concert inaugural de Voix Erotromane. Ensuite, et là je remercie l'ami Hebdo. Vous pourrez voir tout à l'heure, je crois qu'on mettra une page sur le côté, nous a concocté, avec différents intervenants, un numéro spécial de 12 pages, consacré à l'ensemble des événements, de l'histoire de l'établissement, de témoignages, enfin vous verrez, et qui sera diffusé courant du mois de septembre. Dans les 15 pour le prochain jour, à peu près. Absolument, dans le journal, mis à disposition. Voilà, ce sera un supplément gratuit pour les abonnés, et il sera mis à disposition de l'établissement pour les familles, les élèves, et puis les personnes qui souhaiteront en acquérir un accueil, on leur offrira avec plaisir. Ensuite, nous avons des animations, des actions pour les élèves. Donc les élèves doivent évidemment être impliqués et s'identifier à cette histoire longue de l'établissement. La première aura fait lieu lundi prochain, puisque pour tous nos élèves, nous faisons lundi matin un événement particulier pour qu'ils puissent réellement s'approprier cette longue histoire. Ça, c'est un travail interne des enseignants, le chapeau tronc. Et puis, nos élèves de 6e, qui sont des nouveaux arrivants hein, dans l'établissement, on a à peu près 200, ont ce qu'on appelle une période d'intégration, c'est-à-dire qu'on les prend comme apprentis collégiens pendant un certain temps, donc jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et avant les vacances de la Toussaint, on leur dit officiellement, maintenant, ça y est, vous êtes des collégiens. Et pour marquer ce passage entre le début du collège,
on ira au Mont-Saint-Odile pour une action particulière de tous les élèves de 6e, avec des animations sur l'histoire des deux sites. Alors, on a également, alors vous aurez loisir de voir son étiquette, on a parmi nous, vous l'avez vu tout à l'heure, un viticulteur, puisque nous avons souhaité créer une cuvée Saint-Attal, dont l'étiquette a été réalisée par Madame Schlachter, que vous avez vu tout à l'heure, bah, qui est par là, et qui se trouve là, sur le côté. Et je laisserai parler en deux mots le viticulteur que je cherche du regard. Si vous voulez dire un petit mot de la cuvée. Le vin d'Alsace, mais pas un vin d'Alsace folklorique tel qu'on les connaît en cépage. Ce sera un style de vin, bon, c'est, on appelle ça maintenant des vins nature, donc des vins qui, en bio, en biodynamie, il n'y a plus aucun intrant œnologique, pas de sulfite, pas de filtration. Enfin bref, le vin, que le style de vin que Attal aurait pu boire au Moyen-Âge, quoi. Et l'Alsace, évidemment. Merci. Donc voilà, l'étiquette, vous l'avez sur le côté, et elle est sur l'écran. Alors, on ne veut pas inciter nos élèves à consommer. Mais en Alsace, le vin fait aussi partie du patrimoine. Et pour nos, pour les événements pour les adultes, que ce soit en interne ou en externe, ce sera une belle occasion de mettre en avant notre sainte patronne. Nous avons aussi... Ensuite, nous avons une série de conférences que je vous invite à relayer, parce que c'est souvent difficile d'inciter des personnes extérieures à venir, qui sont données par soit des anciens, soit des historiens. Vous les avez. Alors, M. Schleffli, tout le monde connaît chez nous, alors peut-être pas en dehors de l'établissement, mais c'est vraiment quelqu'un qui a la mémoire de l'établissement et qui va donc parler des fouilles sur le lien entre Attal et Léa Bousbourg. Donc, c'est le lien... filière historique, sur, encore une fois, M. Schleffli, sur les figures d'abbesse, et on terminera par le Saint-Étienne de mon enfance, puisqu'on a aussi voulu faire le lien avec d'anciens élèves, et j'espère que pour ces quatre conférences historiques, et même actuelles, beaucoup de personnes se déplaceront ici pour y assister. Le premier grand moment fort pour l'ensemble de l'établissement, ce sera le 30 novembre, puisque là, c'est notre fête patronale, c'est la Saint-Attal. Et donc, nous voulons particulièrement célébrer cette date. À cette occasion, Monseigneur Mal, qui était évêque de Gap, viendra célébrer donc, la messe. Et donc, c'est un ancien de la maison qui était à Saint-Étienne, de la 10e à la terminale. Donc il a aussi, je crois, grand plaisir à venir, puisqu'il a un ancrage encore dans Strasbourg, il a des amis. Donc ça, c'est un événement important, le 30 novembre. Ensuite, nous aurons le 2 février, l'inauguration officielle de ce lieu. C'est une autre date importante, puisque là, on veut l'ouvrir largement. Tous ceux qui ont participé déjà en tant qu'entreprise, mais aux familles, aux élèves, aux partenaires, aux élus, puisque on s'est donné un petit délai pour laisser le temps au musée de se réaliser, pour que les œuvres puissent... Alors tout est prêt en termes d'œuvres, on sait où on va les mettre, on sait comment on va les installer, mais il faut un éclairage, il faut des explications pour chacune des œuvres, donc il faut un peu de temps, on a des anciens... au moins un ancien prof qui va s'y mettre, on a une équipe de profs et M. Maltès qui pilote tout ça. Donc il nous faut du temps, mais le 2 février, promis, c'est fini. Et ça sera le gros événement lié à l'inauguration du site. Ensuite, nous aurons le même jour, en soirée, un repas médiéval. Donc on a déjà, en 2016, réalisé un repas qui était plutôt caritatif, puisque c'était avec mécénat chirurgie cardiaque. Et c'est cette photo-là que vous avez, parce que c'était en 2016. Nous avons fait un dîner particulier avec le souhait du don pour sauver des enfants. Et donc, ça sera dans cet esprit-là que nous organiserons un repas médiéval
où la cuvée Saint-Attal, évidemment, sera servie. Et nous sommes en train de travailler sur ce que nous allons mettre dans les assiettes. Alors, assiettes, on ne sait pas trop, d'ailleurs. Je ne sais pas si Moyen-Âge, assiettes, on ne savait pas toujours ce que c'était. Mais bon, je vois, ça sera aussi une découverte de la manière dont on organisera ce repas. Donc là, on est en salle basket. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, voyez, la décoration change quand même considérablement le lieu. Ensuite, le quai Saint-Attal. Donc, j'en ai parlé un peu ce matin. Tout à l'heure, je vous ai dit que Attal est la première femme connue de l'histoire de Strasbourg. On ne connaît pas de femme antérieure à elle. Et cette femme, cette sainte, n'était pas reconnue et n'avait pas de rue, de place, donc n'était pas identifiée sur Strasbourg. Donc, nous avons eu l'accord de principe de la commission d'attribution de nom de rue pour le changement de dénomination du quai Saint-Étienne que vous voyez là, hein, on était tout à l'heure en salle Saint-Attal, c'est le quai qui longe cette salle, en quai Saint-Attal. Alors on a fixé ça en mai, mais c'est la commission qui doit donner son accord, ensuite il faut qu'on ait qu'on puisse fixer une date, mais globalement c'est au printemps, donc ça sera peut-être avril, ça sera peut-être début juin, mais voilà. Il faut un vote en conseil municipal. Donc c'est vrai que il y a encore quelques écueils, même si l'accord de principe... Et puis c'est une femme, et je crois qu'on est à l'époque où on veut mettre vraiment les femmes en valeur, parce qu'il n'y a pas tant de rues de noms de femmes dans Strasbourg, et ce serait une belle occasion aussi pour nous. Alors c'est vrai que nous avons une rue Saint-Étienne, un quai Saint-Étienne, un pont Saint-Étienne, mais rien pour Attal. Et Saint-Étienne, mais rien pour Attal, ce qui fait que je pense que ça ne sera que justice. Entre-temps, alors je crois pas que je ne sais pas si c'est sur une diapo, j'ai raconté une bribe d'histoire, mais je voulais la compléter un petit peu. Je vous disais que la main de Saint-Attal avait été subtilisée lorsqu'elle a été exposée dans la chapelle, cette main cachée, pas retrouvée jusqu'au Moyen-Âge où les sœurs présentes, les abbesses présentes ici, ont fait la recherche. À l'endroit où on a retrouvé la main, une source miraculeuse a jailli. Un puits dans lequel il y avait de l'eau, évidemment, auquel, pendant tout le Moyen-Âge, toute la période qui a suivi, les Strasbourgeois, les pèlerins, venaient puiser à ce puits pour guérir leur maladie. C'était une eau miraculeuse, donc surgit de l'endroit où on a retrouvé cette main. Ce puits a été excavé dans les années 50 lors de la reconstruction de la chapelle après la Deuxième Guerre mondiale et est actuellement présent dans la chapelle. Mais ce puits, depuis les années 50, était à sec. C'est-à-dire que j'ai une anecdote, mais je ne vais pas vous la raconter. La personne, en tout cas, qui a creusé, s'est arrêtée à un moment donné, ce qui fait qu'on n'est pas allé assez loin pour retrouver l'eau. Eh bien, on va retrouver l'eau du puits Saint-Attal. C'est-à-dire que dans très peu de temps, le puits présent dans notre chapelle sera de nouveau avec de l'eau. Alors, je ne demanderai pas aux pèlerins strasbourgeois de venir puiser l'eau. Hein. Je n'ai pas non plus l'intention de la vendre en petit pendentif. Mais c'est symbolique, l'eau est vraiment un symbole fort dans la religion chrétienne. Et je pense qu'il est important aussi que ce puits puisse être alimenté par cette eau, qui marque l'endroit où on a retrouvé la relique, la main de la sainte. Et puis toute cette histoire, beaucoup plus détaillée, est aussi, on a voulu en garder une trace, et c'est la raison pour laquelle on a voulu créer une bande dessinée. Alors je ne sais pas si vous voulez intervenir un petit peu sur la bande dessinée. On a l'auteur, le dessinateur, je vous passe le micro. Bonjour à tous, je suis Madame Fayot des éditions du CIM. Vous m'entendez? Ah. Oui, nous avons notre maison le plaisir de collaborer avec le Collège Saint-Étienne dans le cadre de cet anniversaire de la fondation de l'abbaye Saint-Étienne.
Et donc, nous avons le plaisir de proposer au public prochainement, pour donc la fête nationale fin novembre, cette bande dessinée qui est mise en scène par Nicolas Hachette, qui est présent ici, donc qui est l'auteur du texte de cette bande dessinée, Monsieur Christophe Carmona, que peut-être certains connaissent aussi, qui est un dessinateur alsacien bien connu, qui a déjà réalisé beaucoup de bandes dessinées. Donc Monsieur Nicolas Kahn, qui est également aussi scénariste dans notre maison, qui a déjà réalisé un certain nombre de scénarios de bandes dessinées, dont celle qui est sortie récemment sur l'histoire de Shiltigan. Donc nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Collège Saint-Étienne et espérons que cette bande dessinée permettra au grand public de découvrir cette histoire tout à fait extraordinaire que bon nombre d'Alsaciens ne connaissent pas bien, voire pas du tout. Moi-même, je découvre au fur et à mesure de ce projet cette histoire très très riche en anecdotes, extraordinaire, et c'est un beau projet que nous portons. Nous essaierons vraiment faire découvrir aux élèves tout d'abord de l'établissement, aux familles, aux anciens aussi qui peut-être en connaissent déjà beaucoup sur le sujet, et puis plus largement au public alsacien notamment qui a besoin de redécouvrir cette histoire importante, comme l'expliquait Monsieur Heist. Qui est voilà, un fondement de l'histoire chrétienne de l'Alsace. Et nous sommes heureux de participer à cette grande aventure. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de publications sur l'histoire religieuse de l'Alsace, puisque c'est un peu le fondement de notre maison d'édition. Donc tout naturellement, nous sommes heureux d'être associés à ce projet. Nous avons quelques planches un petit peu à vous proposer, je dirais, si c'est possible, en avant-première. C'est la bande dessinée est en cours, il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Nous avons réalisé pour le moment une dizaine de planches. Cette bande dessinée en comportera une trentaine, avec un petit dossier documentaire qui complétera cette histoire, qui sera réalisée par Jean-François Cobard, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est historien, bon connaisseur de l'histoire de l'Alsace et des communautés chrétiennes en particulier. Donc, nous sommes très heureux de collaborer avec lui et il nous apporte son concours pour, donner de précieux conseils et regarder un petit peu tout ce travail documentaire réalisé par Nicolas Kent, qui est remarquable. Et nous sommes heureux qu'il puisse être associé à ce projet. Et évidemment, c'est un collaborateur de l'établissement depuis de nombreuses années. Donc, c'était tout naturel aussi que nous puissions travailler avec lui. Merci. Alors, pour le moment, il n'y a pas de titre. Bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas défini encore le titre. On n'a pas défini le titre. Voilà. Il y aura Saint-Étienne dans le titre, je pense. Il y aura Saint-Étienne, oui, tout à fait. Donc, c'est encore en cogitation et très prochainement trouvé. Voilà. Merci. Donc, pour les éléments, il y en a encore un qui est à noter puisqu'il sera ouvert. Vous savez que, enfin, pour ceux qui connaissent Saint-Étienne, chaque année se termine vers la mi-juin. Nous avons une fête qui rassemble toute la communauté éducative, qui est la fête de l'amitié. Et à cette occasion-là, nous terminerons cette année Saint-Étienne. Entre-temps, il y a des représentations théâtrales qui sont en cours de réalisation prévues pour des élèves. Donc on a tout un tas d'animations en interne qui seront réservées au public parents, élèves de l'établissement. Mais c'est cet événement-là qui terminera l'année Saint-Étienne. Alors, l'ensemble des informations liées à ces événements se trouveront sur le site où une page spéciale est ouverte depuis la semaine dernière, où tout se retrouvera, donc que ce soit l'échéancier, que ce soit les événements relayés au jour le jour, hein, tout ce qui pourrait être filmé. Donc, vous le retrouvez sur le site de l'établissement avec le lien particulier
1300 ans. Voilà. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, donc voilà, sur ces cinq-là. Et là aussi, la communication pourra se faire par ce biais-là. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, M. Mathès, qui est ici, qui est notre responsable de... Alors, il est responsable de vie scolaire. C'est quand même son premier métier, hein, je veux dire ce qu'il est. Il est des lycéens, mais il a une autre charge dans l'établissement, qui est la communication. Donc, c'est lui qui est notre lien et qui organise tout ce qui est communication. Un autre événement qui aura lieu jeudi, alors c'est en marge un petit peu des 1300 ans. Nous avons un enseignant de la illustre, qui est le chanoine Oresser, qui est décédé, je crois, en 1975, qui va être, dont une plaque commémorative va être apposée devant l'établissement jeudi prochain et dévoilée par le maire de Strasbourg. Donc, la rue sera bloquée. Donc, à 16h30, jeudi prochain, si vous souhaitez, vous pouvez voir donc, le dévoilement de cette plaque. Le chanoine Oresser a été vraiment, je crois, l'historien de l'établissement. Il a fait les recherches, plusieurs ouvrages sont parus sur Saint-Étienne grâce à lui et sur Saint-Attale. Donc je ne sais pas s'il y a eu d'autres historiens dans ce domaine-là. Et donc c'est à ce titre-là que la plaque va être dévoilée. Elle se trouvera, alors symboliquement, on a choisi l'endroit de l'ancienne entrée principale de l'établissement, aux deux rues de la Pierre-Large, même si aujourd'hui les élèves n'entrent plus par cette porte-là. Vous avez également vu, alors c'est aussi un peu en marge, mais on a voulu que ça soit synchrone, de l'événement, que devant Saint-Étienne, depuis un petit mois, pendant l'été, la ville de Strasbourg a fait mettre une table de lecture sur l'histoire du site, donc qui se trouve en dessous de la plaque rappelant la main noire, qui fait un résumé, c'est un résumé très très court, de l'histoire du site. Donc, ça fait partie d'un parcours de la ville de Strasbourg sur les monuments catholiques. Il y avait ce parcours-là pour les monuments protestants. Donc vous pouvez l'avoir à l'entrée du site. Oui. Je vous laisse la parole si vous voulez dire un petit mot. Oui. Merci beaucoup. Donc je suis Nicolas Matt. Donc en charge des cultes pour la ville de Strasbourg et pleinement en charge des cultes depuis le départ de mon ami Olivier Bitz. Et je veux dire, finalement, ça fait un petit moment que dans mes anciennes délégations, je travaille avec presque une annexe de cet établissement puisque je m'occupe également de la réhabilitation de la manufacture des tabacs. Et c'est pour ça, quand je regardais le fil historique, ça, je me disais, tiens, il y a quand même des liens que les Strasbourgeois ne connaissent finalement peut-être pas très bien et qui sera justement l'occasion de remettre sur la place publique lors des parcours du catholicisme qui seront inaugurés, je l'espère, prochainement avec l'aide de la ville. Non, si ce n'est pour dire que la ville va participer indirectement, en tout cas, aux réjouissances avec notamment la musique qui sortira de l'orgue, puisque finalement l'orgue de 1937 a été détruit lors des bombardements américains de 1944 et privé d'orgue, l'établissement a pu recevoir dès 2006 l'orgue qui était celui de la ville de Strasbourg, que la ville avait acquis en 1962. 2016. Et donc en 2016, l'orgue a été transféré. Mais la ville l'avait acquis en 62 et il était inutilisé depuis 2006. Donc c'est vrai qu'il était stocké inactif, 95. Et donc là, on va pouvoir enfin le mettre à disposition. Il y a eu un beau concert en samedi soir avec Strasbourg, les variations Goldberg. Et je crois que ça fait partie de la convention et du vote que nous avons voté en 2015, qui soit ouvert au moins 5 fois. Oui. Et donc, comme ça, c'est une belle. C'est beaucoup plus que ça maintenant. Oui. C'était minimum. Donc, vrai que c'est un vrai succès. Le maire s'en réjouit. Et la seule question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Mais bon, parfois, il faut le temps que les choses maturent.
Et je parle du côté municipal. Oui, oui, ben moi je parle du côté avec la municipalité, parce que j'ai mis 6 ans pour obtenir 6 ans de bagarre. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, c'est ce qu'il fallait faire. C'est exactement, vous voyez, comme quoi, les bonnes idées... Patience et longueur de temps font mieux que force et courage, et j'ai appris dans cette maison. Alors en tout cas, félicitations, et puis on vous souhaite un beau succès. J'ai bien noté les dates du 2 février. Mais c'est une date, une des dates importantes. Voilà, donc... Bon, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de venir dans ce lieu. Moi, ce qui m'a marqué en particulier, j'ai suivi les travaux de l'été, donc j'ai eu le temps de y passer souvent, c'est le fait que la lumière naturelle y arrive de nouveau. Parce que jusqu'à présent, cette partie-là était enterrée, hein, donc on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, non seulement on a toute la technologie qu'il faut pour que ça fonctionne bien, mais on a également les vitraux qui ne sont pas terminés. D'ailleurs, il y a encore des trous, il y a des petites rustines à mettre, ils ne sont pas nettoyés, mais on a cette lumière naturelle qui arrive dans ce lieu particulièrement ouvert à tous aujourd'hui et accessible à tous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Première question, j'en ai plusieurs. Je peut-être... Oui, non, allez-y, allez-y. Vous parlez de 718, dans certaines sources, dans certains livres d'histoire, on parle plutôt de 717. Alors, est-ce que c'est 717 ou 718? Deuxième question, vous parlez de vin fin novembre, en novembre la sortie. Où est-ce qu'on va y trouver ce vin? Est-ce qu'il va être commercialisé ou est-ce qu'il va être réservé uniquement à votre vin médiéval? Et j'enchaîne sur vos vins médiévaux, est-ce qu'il sera ouvert à tous ou uniquement sur invitation? Alors, le 717-718, c'est vraiment une polémique, c'est vrai. Les historiens ne sont pas d'accord, les traces historiques ne sont pas totalement fiables. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, le 718 nous arrangeait bien. Parce que, évidemment, ce projet était en gestation, donc pour que tout soit à peu près synchrone, faire un événement de cette dimension-là, sans lieu pour accueillir les personnes, le musée, donc voilà, on ne sait pas si c'est 717 et 718. Certains disent 717, d'autres 718. Nous, on a pris 718, finalement, parce que ça nous arrangeait un petit peu. La cuvée Saint-Attal n'est pas destinée à la vente, grand public. Le nombre de bouteilles, je ne sais pas combien il y en a de prévues. On le destine au cadeau qu'on va faire à nos partenaires, aux différentes personnes. On le destine aux événements internes, mais même si les événements sont ouverts, par exemple, comme le 2 février, le repas médiéval, voilà. L'objectif premier n'est pas la vente. On n'est pas commerçant, on est un établissement scolaire. Et j'imagine que l'évêché n'avoir un regard que un peu suspicieux si un établissement scolaire se transformait en magasin de vente de vin. Ce n'est pas notre objectif. Après, le viticulteur peut le vendre sous sa Oui, alors, ça n'a pas été vraiment défini avec le collège Saint-Étienne. La seule chose qui est claire, c'est qu'effectivement, c'est un collège dont la vente de vin ici n'est pas possible. Maintenant, rien ne s'y oppose à ce que on pourrait le mettre en vente chez certains cavistes à Strasbourg, il n'y a pas de souci. Certains restaurants, ceux qui veulent jouer le jeu, on définira avec le collège Saint-Étienne un prix qui soit satisfaisant pour tout le monde et on va certainement reverser une partie du bénéfice au collège. Justement cet esprit-là. C'est pas encore. Vous créez vraiment une cuvée spécifique dans l'esprit que vous racontiez de Saint-Attal, ou bien, comme souvent, on met une étiquette en mémoire, mais c'est pour bien s'envoyer une cuvée spéciale. Évidemment, il ne s'agit pas de se relancer dans ce folklore alsacien des cépages avec du sucre. On est sur tout à fait autre chose. La demande est venue en 2017 et qu'on porte ça pour 2018, donc il faut que je trouve un petit subterfuge parce que la cuvée ne sera pas de 2018 puisqu'on n'a pas encore commencé les vendanges. Et ce sera une cuvée 2017, mais on verra comment on va l'articuler tout ça. A priori, la grande tendance chez les vins d'Alsace maintenant, ce n'est plus les cépages, c'est beaucoup plus les assemblages, donc ce sera automatiquement un assemblage. On n'a pas encore décidé lequel parce que je ne connais pas encore exactement les menus qu'il va y avoir pour la soirée médiévale, mais ce sera un blanc d'Alsace sec et nature. Et voilà. Donc la soirée du 2, elle sera ouverte à... Elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous dans l'objectif de faire connaître un peu l'établissement. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires entreprises
qui contribue aux multiples travaux que nous avons réalisés et qui ne voit pas l'établissement en dehors de ces périodes d'été. Donc les premiers, ce seront tous nos partenaires qui sont invités, évidemment. Donc, mais que ce soit partenaire institutionnel, partenaire entreprise, partenaire scolaire, et puis après, ouvert à tous. On peut accueillir une bonne centaine de personnes. Je crois qu'on était 120 convives au dîner des cœurs. Donc on peut. Et on veut aussi faire de l'événement quelque chose qui rassemble nos partenaires écoles. C'est-à-dire que nous avons un grand nombre de projets et un grand nombre de partenaires qui sont des écoles à l'étranger. Et on veut aussi les associer. Alors on sait par exemple qu'à Offenbourg, on a un groupe de musique, parce que les Allemands ont souvent dans les écoles qui viendra animer. Donc on a aussi ce souci de bien montrer nos liens scolaires avec les nombreux partenaires qu'on peut avoir en Europe. Ah, j'ai une question, Guy. On voit bien l'association entre la création de ce site, il y a 1300 ans, 1301 ans, peu importe, et puis la personnalité de Saint-Attal. Au niveau en particulier de la communication vis-à-vis des élèves, qu'est-ce qu'on met en avant de la personnalité, de la force spirituelle de Saint-Attal qui puisse avoir une résonance encore aujourd'hui dans cette histoire et pour des jeunes collégiens, lycéens. Je vous parlais d'un événement, c'est un événement pour les élèves, qui est la rentrée, donc lundi prochain. Donc nous avons un projet d'établissement et nous allons demander aux élèves, dans le cadre de ces 1300 ans, de réfléchir à l'articulation entre nos valeurs, ce que nous portons dans notre projet d'établissement, ce que Saint-Attal a apporté pour que les élèves, alors ça se passera de manière très concrète par des fanions où les élèves noteront des caractéristiques qui sont fortes en lien avec le projet d'établissement et la personnalité de Saint-Attal. Donc notre but est réellement d'associer en permanence les élèves sur les valeurs qui nous fondent. Et Saint-Attal en est vraiment le reflet. Et on peut, je pense que beaucoup d'élèves, je ne sais pas si on fait des visites de la chapelle, on fait des explications, mais ne vivent pas suffisamment ces valeurs que nous portons et que Saint-Attal porte. Donc on veut au quotidien, d'abord pour le premier jour de la rentrée des élèves qui sera donc le 3, et puis pour d'autres événements, vraiment que ça résonne pour les élèves. On fera par exemple, c'est un enseignant qui porte le projet, un spectacle sur Saint-Attal. Donc les élèves font des recherches, une recherche sur Saint-Attal, c'est pas facile, hein. Mais il y aura un spectacle sur la personne de Saint-Attal. Donc on aura également d'autres représentations qui mettront en valeur ces valeurs-là. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait. Juste en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces valeurs de Saint-Attal ? Qu'est-ce que vous mettriez en avant de ces valeurs ? Saint-Attal, c'est un personnage très connu. Saint-Attal, ça a été quelqu'un au service. C'est-à-dire au service des démunis, au service des malades, au service des plus faibles de sa société, de la société dans laquelle elle vivait. Et c'est ce don de soi, cette mise à disposition de sa personne au service des autres, qui est aujourd'hui ce qui nous reste d'Attal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qu'il faut que nous mettions en valeur, en regard, et qu'on fasse vivre aux élèves, hein, qui sont parfois, peut-être, c'est mon avis, un peu trop consommateur. C'est-à-dire qu'on est très demandeur de plein de choses, on veut acquérir le tout seul, tout de suite, hein, vous savez, c'est quelque chose qu'on veut, que ça soit tout de suite, il faut que ce soit surtout tout seul, parce qu'on est sur son écran, et aller contre ça, c'est-à-dire, non, le don aux autres, le service gratuit, le don de soi, le don de sa personne, le don de son temps, et je pense que c'est quelque chose qui est marquant. Alors, ce n'est pas un événement, et je veux pas trop le mettre en lumière, parce que je ne veux pas en faire un élément phare. Mais nous allons accueillir cette année des migrants. Et pour nous, c'est aussi dans cet esprit-là. C'est-à-dire nous allons accueillir 4 jeunes migrants en scolarité dans l'établissement, en 4e et en 3e, et qui sont... pas payer leur scolarité, qui vont être hébergés, etc. Et c'est aussi ce service-là, hein, dans l'esprit d'Attal, je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre projet.
tu es au service des plus faibles. Et ben, aujourd'hui, soyons aussi au service des plus faibles, qui sont aujourd'hui des migrants, qui viennent, alors là, en l'occurrence, d'Afghanistan, du Ghana, et un de Guinée, je crois. Donc on les accueille, je les accueille mercredi. Ils sont actuellement au centre d'Hermanos, en attente. Je les ai rencontrés une première fois fin juin, et ils sont très très en attente de venir à Saint-Étienne. Voilà, donc ça c'est une illustration. Alors c'est le hasard, hein, je veux dire, c'est quelque part, on n'a pas pris des migrants parce qu'on avait les 1300 hommes, hein. On a pris des migrants parce qu'ils étaient là, et que je pense que c'est un de nos, c'est notre rôle aussi, de jouer, de les accueillir. Mineurs isolés, du coup. Oui, mineurs non accompagnés. Le label MNA qu'on a, mais mineurs non accompagnés. Qui va, du coup, c'est l'établissement qui prend en charge leur cette scolarité, leur hébergement. Alors, pas l'hébergement, puisqu'ils sont hébergés. Alors pour trois d'entre eux, ils sont hébergés au centre Bernanos. Un est en famille d'accueil, même si on a secrètement l'espoir qu'une famille se porte volontaire à terme pour en accueillir un. L'un ou l'autre des trois restants, leur repas est offert. Donc là, on est en train de travailler un petit peu sur la fourniture scolaire qu'on va leur mettre à disposition. Voilà. La première question qu'ils m'ont posée quand je les ai rencontrés fin juin, c'est quel uniforme on doit mettre. Alors j'aurais dit que chez nous, on n'avait pas d'uniforme. Ils rentrent en quelle année ? Alors, ce sont des jeunes qui ont été testés scolairement à leur arrivée pour savoir si ils pouvaient intégrer un cursus scolaire normal ou pas. Alors il y en a au total 12 ou 13 actuellement dans ce statut-là. Nous, on n'en a que 4 qui pouvaient aller intégrer un cursus normal. Donc, on va en mettre 2 en 3e et 2 en 4e. Le lycée Charles de Foucault, on en a accueilli 8 autres pour un CAP cuisine, puisqu'ils avaient été testés, ne pouvant pas rentrer dans un cycle français normal. Ils ne parlent pas très bien le français, ils ont un niveau scolaire qui les mettrait en difficulté si on les intégrait dans un collège. Donc il y en a 8 qui vont en CAP cuisine au lycée Charles de Foucault. Les parents d'élèves et autres ont été mis au courant. Oui, en fin d'année, donc j'ai fait une annonce sur le site aussi, de l'accueil de ces quatre jeunes. On va leur associer un parrain élève qui est en cours, et puis on va faire un accompagnement avec des bilans réguliers pour voir comment ça évolue. On apprend là, on est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, donc on va évoluer en fonction de leur évolution à eux, surtout. Mais je pense que pour nos élèves, là aussi, c'est quelque chose qui va être très riche. Enfin, j'en suis persuadé. Leur histoire, leur présence, simplement, ça ne peut faire qu'enrichir. Et là aussi, je vous le disais tout à l'heure, on est dans l'esprit de Saint-Athalien, hein, on est dans l'esprit de l'accueil des plus faibles. Peut-être, mais c'est peut-être le père Geyser qui répond là. Le collège Saint-Étienne est un des 4 collèges épiscopaux, sur le diocèse, une spécificité bien alsacienne. Qu'est-ce que ça représente, une telle célébration? Une telle attention portée à une grande figure de l'Alsace pour le diocèse, pour notre archevêque qui en principe est responsable du collège. Alors, je vais laisser le chanoine répondre. Juste pour vous dire que une partie de ce qui a été présenté là en termes d'organisation, tout ce qui est globalement extérieur à l'établissement a été fait avec une commission dans laquelle se trouvaient de nombreux représentants de l'évêché. Voilà. Donc ça a été fait en lien étroit avec l'évêché, mais je peux le laisser M. Le Chanoine parler en tant qu'ancien élève, en tant que responsable de la gestion de l'établissement. Voilà, il y a plusieurs casquettes pour ça. Merci M. Haït. Oui, là, je crois que la question mérite d'être posée. Moi je voulais dire que Saint-Athal effectivement n'est pas très connue à Strasbourg, voire pas du tout. En revanche, elle est connue par les visiteurs et les pèlerins du Mont-Saint-Odile. Puisque, vous le savez, il y a une chapelle Saint-Athal au Mont-Saint-Odile, dans le cloître. Saint-Athal et Saint-Eugénie, deux nièces de Saint-Odile. Donc, voilà, une existence qui est déjà notée. Alors, comme le disait M. Haït, ce jubilé de 1300 ans de la fondation de l'abbaye de Saint-Étienne a été préparé avec l'établissement, avec des historiens, des représentants de l'archevêché, dans votre serviteur,
Et le lien le plus fort, effectivement, est avec le Mont-Saint-Odile, qui va fêter en 2020 le 1300e anniversaire de la mort de Saint-Odile. Donc on est en 1300 aussi. C'est un autre jubilé, mais voilà, les choses se passent. Alors par rapport aux autres collèges épiscopaux, il y a des rencontres habituelles que nous avons ensemble. Alors c'est vrai que là, il y a une antériorité considérable pour Saint-Étienne par rapport aux autres, hein, puisque Tzilisheim va fêter un anniversaire, mais c'est 150 ans. Saint-André est aussi à peu près de cette, avec cet âge-là. Quant à Valbourg, on a fêté les 70 ans l'an dernier. Mais c'est vrai que les liens sont forts et on peut imaginer que les chefs d'établissement, les aumôniers, les APS participeront à l'une ou l'autre des étapes de cette année jubilaire. Et puis, pour moi, je crois que le rayonnement d'Attal avec les valeurs que M. Heitz vient d'évoquer est important et peut rejoindre effectivement le diocèse parce que ça montre la fécondité de Dill aussi et de sa personnalité et de son œuvre. Et je crois que le rayonnement de Dill qui va au-delà du diocèse, qui est la patronne de l'Alsace, parce que je vous rappelle quand même que le patron du diocèse, ce n'est pas Odile, c'est Saint-Arbogast. Odile est patronne de l'Alsace. Donc il y a là quelque chose qui, surtout dans les temps qui courent, peut être symboliquement fort. Ben, je crois qu'il y a un rayonnement qui, moi, me paraît très important. Et en tant que futur recteur du Mont-Saint-Odile, puisqu'il y a aussi ça en jeu, moi, je tiens à développer ces liens, à la fois historiques. Philippe Nuss, d'ailleurs, nous racontera la partie des proto-Habsbourg, c'est-à-dire des ancêtres des Habsbourg, donc avec Odile et Attal, justement. Et aujourd'hui, dans l'Europe qui est la nôtre, des figures comme celle d'Odile et d'Attal peuvent rayonner par leur sens de l'autre, de l'accueil, du service. Moi, j'aime beaucoup l'insistance qu'a mise M. Heitz sur le mot « service ». Je crois que dans une époque où on a tendance à l'individualisme et à des manières qui sont du repli sur soi, le service est indispensable. Ça donne une dimension ouverte à l'autre et aussi au tout autre. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à votre question, monsieur Lach. Oui. Juste une question à Nicolas Blanche. Est-ce qu'on pense avoir plus sur les parcours du catholicisme que vous avez évoqué Alors, c'est en cours d'élaboration. On est en train de réfléchir à où installer les panneaux numériques, panneaux physiques. Une information plus complète vous sera donnée plus tard. Mais c'est effectivement quelque chose qui est suivi à la ville par les cultes et par Jean-François Covard, hein, qui est aussi une cheville ouvrière de ce projet. La date de lecture dont Monsieur parlait tout à l'heure, on fera partie ou c'est déjà... C'est possible, mais c'est en réflexion. Pour l'instant, je ne préfère pas tout dévoiler. Le délai, on espère milieu d'année prochaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est à votre disposition, hein, en tout cas, ne serait-ce que par les réseaux sociaux s'il faut. Une petite question juste oui. Sur la BD. Donc c'est l'ensemble de l'histoire de ce oui. site. Oui, depuis la fondation du site, on démarre même avec avec Saint-Étienne, la lapidation de Saint-Étienne. D'accord. 33 après Jésus-Christ. Donc c'est le point de départ. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et même un peu demain. Qu'il y a des projets, puis la petite le fascicule qui est joint ramène des dates. On regarde aussi vers l'avenir. On parle aussi un peu numérique. Et quel sera le prix de vente de... Ouais, il n'a pas été défini encore à ce jour. Une dizaine d'euros. Je pense qu'on sera par au-delà de 10 euros. Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés attentivement. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.